Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit. C'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Ou par là, comme tu veux. On y va en tout cas. C'est parti. On est complètement dans un décalage horaire inadmissible, intolérant et intolérable. Nous sommes le lundi n'importe quoi, déjà ça commence bien. Le mardi 4 juin, il est 18h42. Je suis grave à la bourre, je viens de te filmer ma vidéo action et je viens de te tourner la séquence que je vais te mettre là maintenant tout de suite. Voilà, bah je t'en dis pas plus YouTube. J'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et bon, on y va, c'est parti, let's go. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, finir ma journée, quoi. Des bisous. Mouah. Salut, YouTube. Je te prends rapidement. Et là, je suis en train de... Enfin, j'ai fini de shooter mon haul action. Et en vrai, j'ai pas encore commencé ce vlog. Donc, la séquence que tu vois là, elle a été tournée avant que je te fasse l'introduction. Mais bah, en même temps, pourquoi je te ferai pas l'introduction maintenant? Bref, on verra après. On part déjà... De tous les côtés. J'ai craqué YouTube, j'ai craqué. Mais en même temps, Maison Bourgeon, tu sais que c'est l'une de mes marques de bougies, de thé et d'infusion préférées que j'ai découvert il y a plusieurs années grâce à une amie qui m'en avait parlé, qu'ils étaient à un marché de Noël en fait, près de la maison. Bref. Et bah, depuis, je t'en parle très souvent. Et récemment, les coquins, ils ont sorti deux collections. Même si j'ai beaucoup de thé et d'infusion à la maison, parce qu'on en utilise, mais j'en achète, on m'en offre, enfin bref. Mais ils ont sorti des collections et qui m'ont donné très envie. J'ai quand même été raisonnable parce que j'ai pas pris tous ceux dont j'avais envie. Mais bah, Maison Bourgeon, j'ai craqué, voilà. Je vais te les présenter. C'est malheureusement quelque chose que j'ai acheté avec mon argent. Maison Bourgeon, si vous cherchez un créateur de contenu, si vous cherchez quelqu'un qui peut parler passionnément, amoureusement et avec quand même, je pense, un petit peu de feeling de vos créations, ne cherchez plus. C'est à l'endroit? Oui, il y a marqué Maison Bourgeon des deux côtés. Je suis là. Non mais c'est vrai, alors franchement, pour le coup, je serais très content. Bref, j'ai craqué dans deux collections, leurs deux collections les plus récentes, la collection Provence et la collection Dessert. Je vais te parler de la collection Dessert tout d'abord. Il y a tiramisu, les gars. J'ai pas pris tiramisu. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Enfin bref, si j'y pense au montage du vlog, je mettrai les visuels, sinon je t'invite à me suivre sur Instagram ou à suivre Maison Bourgeon dans tout ça. Bref, j'ai pris donc le Rocher Coco et la tarte au citron. Alors là... on va commencer par le Rocher Coco. Donc Rocher Coco, déjà on note les packaging. Franchement, trop mignon. C'est donc du thé ou des infusions en vrac. Là c'est la collection dessert, je te l'ai dit. Oui, il me semble. Note aromatique de coco et de crème. Avec à l'intérieur du thé vert, de la noix de coco, des amandes et du chocolat blanc. Alors, j'ai triché. J'ai ouvert hier mon colis de mes trois achats, mes trois craquages. Et non mais ça donne envie de manger là, clairement, ça donne envie de manger. Je te montre à l'intérieur, tu vois, c'est vraiment du thé en vrac quoi, avec des copeaux, etc. C'est une petite douceur, je pense que ça va être très gourmand. Je me suis dit, cet été je fais beaucoup le thé froid, les infusions froides, etc. Et me suis dit, bah voilà, je les ferai froid. Mais je pense que lui, chaud, il doit quand même déboîter sa maman. Faut pas que je parle comme ça. Si je veux un partenariat avec Maison Bourgeon, il faut être élégant et raffiné. Je pense que celui-ci est vraiment... Non, mais rien qu'à l'odeur, rien qu'au parfum, il est hyper prometteur. C'est donc un thé vert. Voilà. Ça ne sera pas quelque chose que je pourrais boire le soir parce que moi, je suis très sensible à la caféine et à la théine. Mais je t'en dirai des nouvelles. Coco crème, à mon avis, ça va être une petite pépite. Par contre, quelque chose que j'ai très hâte, et je voulais à la base te tourner cette vidéo hier quand j'ai reçu le colis, mais en fait, bon, moi, je l'ai pas fait, et du coup, j'ai pas voulu le tester avant. Mais tarte au citron. Étant donné que YouTube, la tarte au citron meringuée est l'un de mes desserts préférés, il s'appelle, oh, on va y arriver, nuage acidulé. Et donc, c'est inspiré de la tarte au citron, clairement. C'est un rooibos vert, donc lui, je peux le boire du coup le soir avec beaucoup moins de problèmes. Hibiscus blanc, ananas, écorce de citron, fleur de soucis et étoile en sucre. Je l'ai ouvert, je l'ai humé, mais l'explosion d'acidulé, quoi.
Rien que comme ça, je ne l'ai pas encore vraiment bien ouvert. Mais c'est vraiment très très beau. Est-ce que tu verras, est-ce que tu vois les étoiles en sucre? J'essaye de pas trop bouger. Oui, je crois que tu vois un peu. J'ai pas envie que ma table profite de ma tarte au citron, absolument pas. Le parfum est sublime. Le parfum est sublime. Alors, il faut évidemment aimer l'acidulé, le citron, etc. Si t'aimes pas le citron, va pas acheter ça à YouTube. À un moment donné. Mais je pense que ça va être une très 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 jolie réussite. Et ça, je pense que froid, ça doit être très bon aussi. Mais à mon avis, chaud, ils doivent vraiment, encore une fois, déboîter. Non. Être vraiment... exciter les papilles. Donc ça, c'était pour la collection dessert. Comme je l'ai dit, il y en a aussi deux ou trois autres. Tiramisu, je suis sûr, les deux autres... Poire amandine, peut-être, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Bref, Rocher Coco et Nuages Acidulés. Je te mettrai le site de Maison Bourgeon avec leur compte Instagram dans la boîte de description de cette vidéo. Je n'ai pas de code promo, malheureusement, tu auras compris, je ne suis pas en partenariat. Ça s'appelle du forcing un peu ça, non? Faut que je me calme. Et la collection Provence. Alors, il y en avait plein qui me tentaient, parce que moi, déjà, la Provence, c'est un petit peu ma vie. J'adore la Provence. Bref. Mais là, le nom, j'ai adoré. J'ai vu les notes aromatiques, je me suis dit, ok, tu peux en choisir un, ça sera celui-là. Le Chant des Cigales, donc c'est un thé oolong. On aime beaucoup. Morceaux de figue, thym et pétales de bleuet. Déjà, encore une fois, le packaging est vraiment magnifique, moi j'adore. Mais alors, la surprise, vraiment, au parfum. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Bah ouais, ça doit être la figue séchée vraiment qu'on sent en premier. Il y a ce côté un peu, pas piquant, mais tu sais, vivifiant un peu du thym. Une magnifique surprise, genre vraiment. Sur chaque paquet, tu as le temps d'infusion, la température, etc. Lui, il doit être mais extrêmement, extrêmement, extrêmement gourmand en même temps. Mais il y a une petite pointe de végétal, de fleuri, de doux, de rond, etc. Mais le Chant des Cigales, non mais... Je sais pas très bien faire l'accent marseillais, donc je ne vais pas tant me lancer dans une imitation du château de ma mère et la gloire de mon père de Marcel Pagnol, mais on est clairement, on est en Provence là. Je suis très très heureux d'avoir choisi celui-là. Évidemment, je pense que les autres de la collection... D'ailleurs, ma pâte, est-ce que tu as craqué? Dis-moi, Patricia, si tu as craqué. Sur bah, du coup les autres créations, on va y arriver, de ces collections. Mais moi, c'est vraiment une marque que j'adore. Je te rappelle que mes deux thés préférés, qui je pense ne changeront pas, mais quoique là il y a des sacrés concurrents de Maison Bourgeon, c'est le Petit Pirate et le Cherry Christmas, même si j'ai eu la chance d'en recevoir d'autres de Alex Dante par exemple. Mon Alex Dante, je t'embrasse très très fort, et de m'en acheter aussi. Clairement, si tu cherches une marque française, une très très belle maison avec des packagings sympas à offrir ou pour toi, avec des goûts vraiment, des parfums hyper recherchés, hyper... Fonce, Maison Bourgeon, fonce. Très très cool, très très cool. Je suis très content, très content, très content. Voilà, 10 minutes pour ça, c'est cool. Ça permet d'avoir une séquence de vlog où il y a beaucoup de bruit. Maintenant, je vais ranger tout mon bazar là de mon hall d'action. Prépare à manger pour la semaine et je te retrouve du coup plus tard YouTube. Des bisous. Maison Bonjour, salut. Il y a mon adresse mail et tout ça en barre de description si jamais vous avez besoin de quelqu'un. Voilà, je postule quelque part. Des bisous YouTube. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 5 juin, il est 17h20. Je suis rentré à la maison il n'y a pas trop longtemps. Mais avant, je me suis arrêté dans un nouveau lieu. Enfin, nouveau. C'est un salon, un cookie shop qui a ouvert le mois dernier. Et il y a eu beaucoup de succès. Et du coup, à chaque fois que je passais devant, que j'étais libre, etc., et bien c'était fermé. Parce que victime, comme je te disais, de leur succès, il n'y avait plus de cookies.
Donc voilà, là je suis passé devant tout à l'heure en allant à ma boutique de cigarettes électroniques. Je te montre aussi ce que j'ai pris parce que écoute, c'est un vlog, donc on partage les choses. Hein. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc je suis très content d'avoir fait la connaissance de... Je crois que c'est Margot, mais je suis plus sûr. Je vais pas dire de prénom parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais du propriétaire, de la propriétaire des lieux. Très, très sympa la déco qu'ils ont fait. Je pense que je t'emmènerai un petit peu la prochaine fois. J'aurais dit d'ailleurs que j'allais revenir pour faire des stories, etc. Pour te montrer tout ça. J'ai acheté, j'ai craqué, parce que tu sais très bien que choisir, c'est renoncer. Déjà, ça s'appelle Cookie Story. Voilà, donc c'est tout nouveau à Divonne. Donc si jamais t'es pas loin, n'hésite pas à aller faire un tour. Si j'y pense, je te mettrai l'Instagram dans la boîte de description de ce vlog. Attends, on est dans la cuisine, donc tu sais, je vais me mettre à genoux. je me baisse. Voilà, et la lumière est quand même un petit peu mieux. Comme quoi, la lumière, ça change de ouf la tête quand même. Donc, j'ai craqué, voilà, sur... j'ai pris 3 cookies différents, et j'en ai pris 2, un pour moi, un pour le chéri. Il se peut qu'on ait déjà commencé à goûter. Donc, Cookie Story, c'est une toute nouvelle enseigne, pardon, qui a ouvert à Divonne. Il a mangé la deuxième partie du pistache. Bah, je peux pas te montrer du coup la pistache, mais j'ai fait une story sur Instagram, donc si jamais n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Là du coup, donc j'ai pris un qui s'appelle l'italien avec des pépites de chocolat blanc, des pistaches entières et de la crème de pistache à l'intérieur. Mais alors comment te dire que c'était en bouche, c'était juste divin. Celui-là, c'est le québécois. Bon, moi on l'a coupé pour que tu voyes mieux. Donc avec un magnifique insert de beurre de cacahuète, rien que comme ça, ça sent. Oh là là, mais alors la gourmandise du truc, je ne t'explique pas. Donc ça, c'est celui du chéri. Moi, j'ai été... voilà. Il a déjà mangé la moitié de tous. Moi, j'ai juste mangé la pistache entière et j'ai gardé les deux autres pour plus tard. Et celui-là, je crois que c'est le... Je ne me rappelle plus. Le belge, peut-être. Avec du bretzel dedans et du chocolat noir. Mais regarde-moi. Non, mais la taille du bordel, quoi. La gourmandise. Franchement, je leur souhaite énormément de succès. Vraiment, parce que c'est top qu'un endroit comme ça ait ouvert ici. Les recettes sont hyper originales, hyper goûteuses, parce que celui à la pistache que je viens de manger, là, t'étais pas prêt. Très très sympa. Donc si t'es du coin, n'hésite pas à aller faire un tour chez Cookie Story. C'est dans la grande rue à Divonne. Voilà. J'ai trop hâte d'y retourner déjà. Et ils font aussi des cookies salés. Bon, bah là, il n'y en avait pas. Mais sur la carte, il y a des cookies salés. Il y a plein de choses. Enfin, bref, ça te donne trop envie. Et je me devais de t'en parler. Et je me réjouis aussi d'aller boire un petit café un après-midi ou une petite boisson fraîche là-bas et t'emmener avec moi pour te montrer un petit peu tout ça. Comme je te disais, j'ai été dans ma boutique de cigarettes électroniques chez Vapostore, du coup, parce que bah, j'avais quasiment plus de liquide. Et donc, il en faut. Normalement, à cette époque de l'année, je switch pas mal sur des liquides un petit peu plus frais, fruités, etc. J'ai pris dernièrement un pomme concombre parce que je l'avais déjà eu pris avant et j'avais beaucoup aimé. Bah là, franchement, j'ai pas accroché de ouf et je crois qu'en fait, je vais rester sur des liquides gourmands parce que finalement, je crois que c'est ce que je préfère. Bref, j'ai repris le 70-17, c'est ça ? 70s, oui, bah en même temps, c'est les années 70. Sundae au caramel, qui est très 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 bon, de la marque Curieux. Voilà, j'ai repris un que je prends quasiment à chaque fois, pour pas dire à chaque fois, de la marque Vapostore. Il y a ma montre qui écoute ce que je dis. Donc, la marque des magasins. Cake pécan, c'est une tuerie, c'est une pépite, c'est fantastique. J'ai envie de banane. D'ailleurs, je pense à Marie, d'ailleurs. J'ai mon ange qui est à fond sur les bananes. Le parfum, hein, l'odeur, tout ça. Et faut que je regarde, je leur demande s'ils peuvent pas commander quelque chose à base de bananes, beurre de cacahuète, des trucs comme ça. Je sais que ça existe, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bref, et petite nouveauté que j'avais pas vu non plus, mais je crois qu'ils l'ont reçu il y a pas longtemps. Du coup, j'arrive pas à voir la marque. Ultra Jalac, c'est possible? Je sais pas. Précaution, Juice, Ultra, je sais pas. Talac, Jalac, Ultra. Quelque chose comme ça. Bref, avec un monsieur casqué qui promène son chien. Qui est casqué aussi. Non, le chien n'est pas casqué. Ça serait bizarre quand même. Bref, alors, dedans. Céréales, vanille, fruits à coque, marshmallow et crème de lait. Comment te dire que ça va être très très bon. Très très bon. Très très bon. Je suis très très content. Donc là, je vais faire mon petit mélange avec
nicotine, parce que oui, même si ça fait. Quel âge? Non. Combien d'années? Je crois que c'était en 2000. J'ai arrêté de fumer en 2014, il me semble. Ça fait 10 ans? Seulement 10 ans, j'aurais pensé plus. 2013, on est parti à New York. Est-ce que c'est 2013? Non, c'est pas 2013. Je crois que c'est 2014. Bref, depuis septembre 2014, j'ai arrêté de fumer. Et depuis je vape, du coup. C'est bien, c'est pas bien. C'est mieux, c'est pas mieux. Écoute, je vais pas rentrer dans le débat. Moi, pour moi, je trouve que c'est mieux que la cigarette, quand même. Parce que bah, mon souffle s'est amélioré, ma peau s'est améliorée. Enfin, il y a plein de choses qui sont améliorées. Et je me dis que si c'était aussi grave que la cigarette, entre guillemets, genre le matin, je tousserais encore. Alors que là, plus du tout, je tousse quand je suis malade, tu vois. Mais bref. Après, oui, c'est quand même... Je force personne à partir là-dedans. Évidemment, il faut pas. Si tu peux éviter, c'est très très bien. Mais moi, je ne me sens pas du tout prêt actuellement encore, 10 ans après, même à arrêter la vape. Bref, toujours besoin de nicotine parce que sinon, je tue des gens. Si je ne mets pas un peu de nicotine dedans, je tue. 3 mg, c'est le minimum. Donc voilà, YouTube, tu sais tout. Là, je vais, vu qu'il est bientôt 17h30, j'ai mon iPad juste derrière toi, je vais regarder Secret Story pendant que je fais mes petits mélanges, etc. J'ai un petit shooting aussi à faire pour les créations de mon amie Virginie. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, tu sais, c'est la personne, enfin ma pote, qui a qui fait les créations de papeterie, etc. autour de Disney, This Spirit Shop. Je te mettrai aussi, si j'y pense, en barre de description. Virginie, si tu passes par là, aux aléas, aux alentours, aux entournures d'une de tes vidéos YouTube, eh bien, écoute, je te fais des gros, gros, gros bisous. On se voit bientôt, d'ailleurs, je suis très content. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, nouvelle création, elle s'est lancée dans des petits bijoux. Et donc, elle m'en a donné quelques exemplaires pour que je les prenne en photo. Donc, je vais le faire. Ça fait déjà quelques semaines, 2 semaines, je crois, que j'ai tout ça et j'ai pas encore fait, c'est pas bien, faut que je le fasse. Comme ça, je l'ai fait ce soir et je lui envoie. Et j'espère qu'elle sera très très contente. Je sais pas si je te montre un petit peu l'envers du décor ou quoi que ce soit, on verra bien. Et puis bah sinon, bah, je te reprends demain en sortant du boulot. Je pense qu'on va faire ça, on va faire comme ça. Voilà. Le beau temps, normalement, est en train de revenir. Hier, il a fait très beau, aujourd'hui, il fait très beau. Est-ce qu'on aurait un simulacre de printemps avant de passer directement à l'été? Je croise les doigts parce que directement la canicule, moi j'ai jamais dit que j'étais d'accord. En vrai, on m'a jamais demandé mon avis en même temps, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui YouTube, je te reprends donc plus tard, ou peut-être ouais tout à l'heure, effectivement, pour les coulisses du shooting. Je te fais des bisous, n'oublie pas, si jamais tu es du coin et que tu as envie de cookie story à Devon, c'est pas un placement de produit d'ailleurs, j'ai payé moi-même, ils savent même pas que j'ai parlé d'eux, je me suis pas vraiment présenté encore, mais j'ai hâte de retourner les voir pour faire des stories et tout, et je trouve ça hyper important, même si du coup, moi, je suis archi personne, tu vois, il y a quasiment personne de ma région, pour pas dire personne, qui me suit, quoique si vous êtes quelques-uns quand même, je sais, parce qu'au magasin, vous me dites, oui, j'étais celui qui fait les vidéos YouTube, oui, c'est moi. Salut d'ailleurs si vous passez par là. Mais si jamais envie de cookies, n'hésitez pas à aller voir Adivon Cookie Story. Je te mets tous les liens en barre de description. Voilà. Cette fois c'est bon YouTube, je te fais des bisous. Je te dis à plus tard. Ciao. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our mind. Crazy and leave it all behind. It could be glorious, glorious. Salut YouTube, nous sommes jeudi 6 juin, il est 20h03. J'allais manger, enfin, je suis en train de manger. Et avant d'oublier, je voulais te reparler de ça. Je crois que c'est dans le dernier vlog que je t'en ai parlé. La marque Bonduelle, les mini croustilles mexicains. Avec du maïs, des haricots rouges et du cheddar. Je viens donc d'en faire à l'air fryer avec une petite salade, des tomates cerises, des pousses de soja et une sauce un peu, une vinaigrette un peu avec du fromage blanc, du tabasco, enfin bref, c'est sublime, c'est trop trop bon. En apéritif, à mon avis, c'est hyper hyper cool aussi. Donc je me réjouis de goûter les autres et de t'en parler aussi dans un prochain vlog, voilà. Je te prends pas plus aujourd'hui parce que là je vais manger. Je suis tout seul ce soir, le chéri est à une réunion de travail, du coup bah, je vais un peu chiller, le montage est fait du coup de la vidéo. Je pensais pas qu'il y aurait, enfin à la base j'aurais...
À la base de base, sans mentir, normalement, il aurait pas dû avoir de vidéo vendredi. Mais vu qu'on a été chez Action, bah écoute, je me suis dit, voilà, on fait un haul. Et c'est tout fait, le montage est fait, etc. J'ai plus que la mise en ligne à faire, enfin la barre d'infos, mais il y a quasiment rien à mettre dans celle-ci. Donc voilà. Et puis je vais peut-être regarder pour faire une commande Shein. Enfin regarder, faire un panier quoi, voir ce qu'il y a. Parce que j'ai bien envie de faire une petite commande Shein. Voilà, c'est tout. Je te laisse donc pour ce soir et je te reprends peut-être demain. Des bisous YouTube. Les trucs bon duel. Pépite, trop trop bon. Very very good. Very good. Des bisous. Mouah. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 8 juin, il est 19h57. Mon contenu est d'une originalité affligeante parce que je viens de te conclure le vlog. Et comme tous les samedis, enfin tous les samedis non, mais très très souvent le samedi, en rentrant du boulot, je m'arrête à Intermarché, vu que c'est sur ma route, pour acheter des petites choses pour ce week-end, pour ce soir, tout ça, tout ça. Donc je fais un retour de course. Et donc je te conclue le vlog. Enfin, retour de course. T'as compris. J'ai acheté ce couscous parfumé de chez Tipiak. Graines de couscous parfumé, pardon, aux épices du monde. Je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement, extrêmement bon. Je sais pas si tu le connais. Je sais que la marque, il y a la marque distributeur Carrefour. C'est la même chose, il est très très bon aussi. Mais là j'étais chez Inter, il n'y avait pas de marque distributeur qui faisait ça. Enfin bref, t'as compris. Très très bon. Moi je fais des espèces de taboulés avec, etc. Ou même chaud du coup. Mais très sympa, donc ça sera pour des petits plats. Soit le soir ou le midi. Ce soir, on avait envie de manger des pâtes. Donc, je vais te montrer les pâtes que j'ai achetées, que ce sont mes préférées quasiment, au gorgonzola. Donc, j'ai pris deux gorgonzola, mais il y en a un pour plus tard et un pour ce soir. Du coup, je vais faire une petite crème de gorgonzola avec les bucatini, je crois que j'ai pris que ça s'appelle. Je te montre. C'est absolument ça. Les bucatini, voilà, donc c'est des grosses grosses pâtes, je les aime trop trop trop. Barilla, on aime beaucoup. Moi je prends encore tout mon temps alors qu'il y a encore du surgelé. elle était trop bonne. Merci pour, je sais plus ton pseudo. Enfin je sais qui tu es mais je me rappelle plus du pseudo. Qui m'a dit par rapport, tu sais, à la non-cohérence du poids et tout ça la semaine dernière, dans mon vlog de la semaine dernière, c'est à cause de l'air qui rajoute dedans. Alors, c'est un peu nul de rajouter de l'air dedans, les gars, je trouve. Bref, j'ai repris donc les glaces de la marque Adélie, donc c'est la marque distributeur d'Intermarché, dupe, entre guillemets, imitation de Ben & Jerry's, etc. Choco Brownie, tout court, c'est bien. Et Cookie Dough, donc pâte à cookies. Décidément, il y aura beaucoup de cookies dans cette vidéo. Je pense que c'est l'émoticône. Je te le dis dans 5 minutes, mais je l'oublie. Mais je pense que ça sera l'émoticône. Cookie. Je t'ai parlé des cookies ? Oui, je t'ai parlé des cookies. J'ai repris aussi au surgelé. Enfin, j'ai repris très exactement. J'ai repris lui. Donc, je t'en ai aussi. Non, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était la semaine dernière. Les petits croustilles là, de chez Bonduel, mexicains, je les ai mangés cette semaine avec une salade. C'était archi bon et je crois que je t'en ai parlé aussi. Alzheimer me guette. Et du coup, il y a ceux-là que j'ai pas pris la semaine dernière. J'en avais pris d'autres comme je t'ai montré. Les autres, je les ai pas encore... je m'étouffe en direct. Les autres, je les ai pas encore mangés. Ils sont toujours au congélateur. Mais là, team courgette, bah, j'avais envie de goûter ceux-là. Donc, c'est des petites bouchées aussi. Je pense qu'en apéritif, ça doit être la folie. Et je crois que je te le dis aussi. Épinards, courgettes et chèvre, très 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 sympa à faire à l'air fryer, très très cool, très bien. Évidemment, j'ai repris des courgettes, tout à fait. Donc, trois paquets de courgettes. Je parle pas très fort parce que le mari est pas très très loin, mais je me suis pris un gel douche YouTube. J'avais trop envie de verveine, donc voilà, verveine citron. Voilà, et je parle pas fort parce que il va m'engueuler. Putain, quand j'ai un gel douche, je fais ce que je veux. Donc, mes courgettes. Et j'ai pris cette fois, parce que normalement je prends de cette marque là, IAM, le curry vert et le curry rouge. Enfin, soit curry vert, soit curry rouge, on va y arriver. Et là du coup j'avais envie d'essayer le curry randang. Donc je connais le curry randang parce que ma chatoune Alex Dante m'avait envoyé il y a quelques années maintenant. des épices que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, parce que j'en utilise très souvent. Mais elle m'en avait tellement envoyé que genre voilà. Bref, et j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé, on va y arriver. Et donc là du coup j'ai acheté ceci. Donc c'est une préparation de curry randang malaisien, si je lis bien à l'envers. Absolument c'est ça. Pour faire mes wok, mes trucs, mes légumes de la semaine, etc, etc, etc. Je pense que je ne te prends pas demain YouTube parce que demain nous fêtons l'anniversaire de ma maman et je sais plus du tout ce que j'ai vlogué, mais bref, faudra que je fasse le montage en rentrant après. Et du coup ça m'arrange si c'est pas trop trop long en vrai. Je dois te dire la vérité, être sincère avec toi. Et puis je reviendrai à te dire de toute façon.
Enfin, si j'aurais plein, je viens de te postillonner dessus. Plein de choses à dire, mais on ne va pas donner de la confiture au cochon. Voilà, tout simplement. L'émoticône donc de ce vlog, ça sera bah, le cookie. J'ai failli déjà oublier. Donc le cookie en émoticône. Normalement, il n'y a pas d'autre émoticône qui arrivera. Normalement, il n'y a pas de droit de réponse qui devrait arriver comme la semaine dernière avec la vidéo des copains pendant le montage. Donc bah, je te retrouve en commentaire. En parlant de commentaires, on n'oublie pas évidemment quoi de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, parce que c'est important et ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Le programme de ce soir, c'est le concert de la Starac, les gars, sur TF1. Donc d'ailleurs, je suis très fâché contre TF1 parce qu'ils ont éliminé Justine hier de Secret Story qui était genre ma préférée. Donc je ne suis pas content. Bref, concert de la Starac. J'hésitais à le regarder, puis en fait, je me suis dit oui. Pourquoi j'hésitais? Parce que je vais les voir dans 10 jours. Mais comme ça, j'aurais vu le concert avant. Voilà, je saurai un petit peu à quoi m'attendre. Et puis ben voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, normalement vendredi. Oui, c'est ça, normalement vendredi. Et puis ben, lundi prochain pour un prochain weekly vlog. Voilà YouTube, je crois que c'est tout pour moi. Si YouTube, je savais que j'avais oublié quelque chose, je devais faire un petit coucou à Mounia. Donc voilà, c'est fait. Donc Mounia, je te fais des bisous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.